Cette PME a été fondée en 1947. Des gouvernements, des présidents, elle en a vu passer beaucoup. Alors quand M. Durand, son patron depuis 10 ans, se penche sur les trois premières années de François Hollande, il retient d'abord du positif. L'arrivée du CICE et puis le pacte de responsabilité. Ça nous a redonné de la liberté et des marges de manœuvre financières pour investir, vous avez vu des camions dans notre dépôt, pour embaucher des nouveaux salariés, parce que nous, on a la chance d'avoir une petite croissance. Mais quand on passe au côté négatif, il regrette principalement une chose, la complexité des règles imposées aux entreprises, qui changent beaucoup trop souvent, selon lui. Je défie un quelconque chef d'entreprise normalement constitué de maîtriser et de savoir ce qu'il y a dans les 3000 ou 3300 pages du Code du travail auquel on en rajoute tous les jours, toutes les semaines et tous les mois. On a le sentiment d'une économie d'économistes hors sol qui ne comprennent pas que la complexité, les usines à gaz qui sortent des textes sur le terrain n'ont pas de possibilité d'être applicables. Pour les 2 ans à venir, ce patron espère que le choc de simplification promis se traduira dans les faits.